Je suis senti très libre, oui. Le monde s'était restreint aux objectifs que nous sommes fixés, c'est-à-dire arriver sain et sauf dans un classement raisonnable. Et direction le camp de base du Pico Valley. On a réussi à rester ensemble, en fait. C'était une gageure au départ, on n'avait jamais fait d'essai, on ne s'était pas entraîné ensemble. Et on a réussi à trouver une symbiose qui nous permettait d'avancer au même rythme malgré les différences de vélo, de régulation, de puissance, de surface de panneau, tout ça. On a trouvé la symbiose qu'il fallait. J'aimais Geo Racing qui nous montrait les uns avec les autres. Et qui était plutôt une force que je trouvais motrice. Alors il y avait une certaine forme de pression, mais c'était une pression qui était une pression positive. On a ressenti aussi le groupe était très bienveillant vis-à-vis de chacun des participants. Dès qu'il y en avait un qui était en difficulté, les autres sont prêts à aider, même s'ils sont loin. Donc c'est difficile d'intervenir, c'est fait. Mais ne fût-ce qu'en pensée, en énergie positive, en soutien, on sent quelque chose. On a reçu bien sûr beaucoup de marques d'intérêt, de curiosité de la part des personnes lorsqu'on s'arrêtait. Oui, on s'est senti ambassadeur des énergies renouvelables. Oui, on en a parlé. Partout où on était, on avait une interaction avec les gens dans laquelle on pouvait exprimer nos idées, mais également on recevait des informations qui nous montraient la fragilité des écosystèmes que nous avons traversés. C'est une aventure, c'est sûr, mais ça ne va pas s'arrêter là. Avec ce réchauffement climatique, on sent vraiment qu'on est dans un système fragile, plus que jamais. Et ça, on va vouloir le témoigner. Je crois aussi que je ne ferai ça qu'une fois, tu vois, d'aller au contact des choses d'une manière privilégiée. Rien ne vaut l'Europe dans cette diversité culturelle, architecturale, dont les contrastes sont très tranchés, que ce soit évidemment par les langues, mais par une culture, par une nourriture, par une beauté de paysage. C'est frappant, c'est riche, et honnêtement, c'est un trésor.